What's up YouTube, c'est Predcool et aujourd'hui on se retrouve sur Dead Island Fuck La Land pour l'épisode 7 de notre let's play zombifique en compagnie de Monsieur Wesker, la petite bite que voilà. Bonjour Monsieur Wesker. Salut Pod Queen, salut tout le monde, et je tiens à dire que c'est toi qui as la petite bite. Je vois quelque chose de très gros, donc non. Moi je dis t'as une petite bite. Bon, du coup la dernière fois c'était l'épisode buggé, l'épisode qui nous a fait kiffer, l'épisode buggé, l'épisode de merde, l'épisode qui m'a bien fait rager, qui m'a cassé les couilles, voilà. Donc la dernière fois du coup on avait fait des quêtes principales, des quêtes secondaires un petit peu pour remplir, surtout de mon côté parce que du coup moi le commissariat il avait complètement buggé. Du coup sans plus attendre là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer quelques, ce qui reste pas beaucoup de quêtes secondaires donc on va les terminer, comme ça après on fait la quête principale et peut-être qu'on finira l'acte 2 dans cet épisode. Allez. Bah ça serait bien. Donc c'est parti. Ok. Here we go. Couillon de zombie. Oh putain, j'ai à peine touché, il a déjà perdu un bras. Sachant que tu cours largement plus vite que moi, j'en profite pour courir comme un dératé vers l'objectif avant que t'arrives. Ok, j'arrive. Il va arriver, il va faire. Ah oui, parce que la chinoise court très vite. Elle est en talon aiguille, mais ça l'empêche pas de courir très vite. Oh putain, il a ramoté tous les zombies du quartier à son cul. Ah ouais. Putain, je l'ai trouvé. Maintenant, il faut trouver comment monter et redescendre au niveau du truc. Qui te dit que c'est en haut déjà? Bah, en fait, si tu veux, elle est en bas. Mais pour y aller, il y a un chemin qui passe par le haut. Il faut trouver juste une échelle ou un truc qui permet d'aller jusque au niveau de l'antenne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un zombie. Un zombie de minuit. Voilà, le zombie. Tête. Il m'a cassé les couilles. Oh putain, il y a le gros. Bien sûr, quand je parle du gros, je parle de l'autre taré avec sa camisole. Mais où est-ce qu'elle est cette putain d'échelle, putain? Moi je dis où est-ce qu'il est ce putain de haut-parleur, ouais. Mais moi je l'ai trouvé le haut-parleur, moi c'est l'échelle que je cherche. Je cherche une échelle qui permet justement de pouvoir aller jusqu'à ce fameux... Parce que là on voit bien, elle est bien là. Hein, ouais. Ah bah le haut-parleur, je suis juste à côté, hein, mais il faut... Ah bah voilà, bah, descend, il est là. Je sais pas par où t'as réussi à trouver pour monter, mais... Parce que moi, voilà. Je suis un alien, je colle sur les murs. Oh putain! Ah, il essaie de m'enculer, quoi. Ok, maintenant, faut trouver le troisième. Eh ben, cours, Whisky! Il est à 15 mètres. Oui, il est pas loin. Peut-être qu'en passant par les toits, je peux peut-être même réussir à y arriver avant. Bah justement il est sur les toits. Putain, je sais pas par où t'es passé pour pouvoir avoir accès à ça, mais... Attends, parce que là j'ai un petit problème. Ouais, ça passe. Nique ta mère toi. Nique ta mère. Bleh. Oh, y'a un zombie facteur qui m'attaque. Dans ta gueule, Chronopost. Chronopost. Oh putain, y'a un assassin! Vas-y, va au suivant, j'arrive! Ouais. En admettant que celui-là il me casse pas les couilles. Ah putain, y'a une serrure de crochetage, je peux pas l'ouvrir. Wouah! Mais vous me saoulez les zombies! Il m'a mis une mandalote et j'ai pris cher. Bon, par contre, je vais pas rester là parce que clairement j'ai aucun intérêt à tuer l'assassin. Je veux dire, je vais plus abîmer mon arme qu'autre chose, donc je me casse. J'ai fait crever. Ouais! Je saute de toi en toi. Oh, en plus j'ai traversé toute la ville. J'ai traversé toute la ville en sautant de toi en toi. La blague. En fait, le précurseur de Dying Light, Fuck the Light, c'est ma bonne femme. Mais putain, mais tu vas me lâcher, espèce de zombie dégarni. Mais il me casse les couilles. Oh non, je suis tombé. Je remonte! Vite, y'a des zombies! Ok, bon, par contre, y'a un kamikaze de merde qui m'emmerde, qui me fait chier, qui pue la bite. Et boum, le kamikaze! Chair de kamikaze et voilà. Mon couteau. Surtout mon couteau. J'active le haut-parleur et maintenant on peut retourner voir Gareth.
Ouais, braguette. Bringuette. Bringuette, quéquette, tartinette, rouflaquette. Moi, je tiens à dire que j'ai profité de la confusion. Moi, je tiens à dire que t'as rien branlé, ouais. Ouais, aussi. Bah, en même temps, je sais pas par où toi t'as réussi à monter. Il y a des échelles absolument partout et le mec il voit rien. Bah, là, tu vois, j'étais vraiment dans le seul endroit où il y en avait pas. Donc, t'es passé sous une échelle à un moment donné, t'as rien vu. Alors, ouais, ce niveau d'incompétence, après, moi je ne peux rien pour toi. C'est sombre parfois. Mais putain, mais vous avez les lâcher. Merci pour l'argent, Gareth. Eh putain, Gareth, tu vas me donner combien de quêtes encore, espèce de gros con? Tu commences à me casser les couilles, je m'en fous de tes quêtes, tu me saoules. Qu'est-ce qu'il veut? Trouver, activer 4... Encore? Et cette fois, c'est du côté... Non, mais il commence à me péter les couilles. Non, c'est une quête qui... La deuxième quête du Cerbère. Ah non, ouais, non. Non, c'est juste que... Il faut faire du côté Est, et puis après, il faudra faire du côté Ouest. Putain, ouais. c'est je te jure qu'en miniature sur cet épisode, je mets un haut-parleur. Allez hop. c'est la quête du haut-parleur. Je passe partout. Putain, je suis un putain de ninja. Ah, par contre là, ça va être compliqué. Eh, vas-y, saute par-dessus le tonneau si tu peux, tu putain, montes là-haut. Putain, moi hop. Tu me waouh. Wouhou. Entre le fait que ton personnage court, voilà, vous avez une preuve, entre son personnage qui court largement plus vite, et puis vu que avec son personnage justement, il passe par tous les petits points et qu'il rameute tous les zombies dans un point donné, je ne peux pas passer... Zombie. Vous quittez la zone jouable? Non mais c'est trop de ma gueule. Non, toi t'es parti sur un autre jeu là, c'est pas bien. Couchez le zombie. Je voulais passer de l'autre côté mais il a pas voulu. Bon, attends, parce que du coup, le haut-parleur il doit être dans la zone, sachant que là on a plus du tout le. Qu'est-ce que écoute, c'est que ça? Écoute, moi je cherche un endroit où on pourrait monter. Bah, de toute façon, oui, c'est ce qu'il faut. Oh, y a... un voilà. Mammouth. Oh! Ah, il m'a tué! Enculé! Bon, Wesker, au moins il a trouvé l'échelle, c'est bien. Putain, j'ai perdu 400 balles! Pour une fois que je trouve quelque chose. Attends, le zombie mes couilles là, j'en fais mon affaire, je vais le fumer. Bon. Par contre, j'ai l'impression que j'ai trouvé une échelle. D'accord, mais c'est pas pour autant que j'ai réussi à avoir là, parce que je suis quand même à 27 mètres de ce putain de parleur d'après le truc. Vas-y, viens mon gros. Ah, mais non, mais pas sur ma gueule. Et comment on fait pour esquiver dans ce jeu de merde, ils savent pas esquiver? Vas-y, viens! Putain, j'arrive. Vas-y, viens, couillon! Écoute, c'était pas la bonne échelle, hein. Et voilà, je t'ai eu, couillon! Non! Ah, putain! 80%. Ah, ça va, il me reste 12 trousses de soins, mais j'ai l'impression que ça part un peu vite quand même, les trousses de soins. Faut trouver une autre échelle, parce que l'échelle que j'ai trouvée, en fait, il faut trouver une échelle dans ce quartier précis. Attends. Attends. Je crois que j'ai trouvé. Do you find something? Ouais, trouvé! Vas-y, monte, grouille. Mais t'as vraiment de temps, s'enculé! Je te rassure, c'est pareil. Ah putain, le temps que je monte et je me suis fait bouffer, je me suis fait taper, non mais lol. En même temps, le berserker, il fait 3 mètres de haut, quoi. Putain, pourquoi y a pas un boost pour monter aux échelles plus vite? Puis c'est quoi cette zone où il y a plein de zombies à crever partout là? Et puis j'ai l'impression que je me fais enculer au niveau de mon matos. Attends, fais voir, parce que j'ai l'impression que j'ai des trucs qui font plus de dégâts. Mais comment là... vous avez fait pour monter, vous, tête de bite? 300, y avait pas de zombies. 300, 100. Bah en fait, non, j'ai que de la merde. Bon merde! Enfin, à part la celle-là, mais je peux pas l'utiliser parce que c'est dans 3 niveaux. Ah non, mais j'ai. Ouais, bah écoute, c'est... Attends, 600? C'est lequel qui fait 600? C'est celui-là. Ah, celui-là, déjà, il va botter plus de cul. Ça, c'est le genre de quête qui me gonfle. Je le dis tout de suite. Ouais, je te rassure, t'es pas le seul. Écoute, je suis remonté à aller. En fait, l'échelle que j'ai pris en premier, c'était une bonne échelle pour faire la quête, mais c'était pas encore celle-ci qu'il fallait prendre en premier, en fait.
Niquez vos mères. Où est... Putain. Ah, il est là. Cassez les couilles. Il est là, le truc. Non. Quoi, ah, t'es merde. Tombé. Oh, quel con. Oui, entre deux. Putain, bon, fils de pute, j'y étais, il... quoi, il était juste là, quoi. Il faut retourner tout là-bas pour récupérer l'échelle. C'est ça. Putain. C'est quand même... Attends, c'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas d'autre échelle, genre. Ah ouais, mais non, c'est vraiment ça. Hein. Putain, puis ils ont une vitesse à monter les échelles, même quand ils montent plus ouf, vite. Hein. Ils ont deux temps. Même Crane les monte plus vite, quoi. Quand, mais Crane, il a le grappin déjà, il prend même pas les échelles. Ouais, mais hors grappin, même Crane allait plus vite pour monter sur une échelle. Mais Crane, il va plus vite tout court, c'est un produit parcours. Ouais, par contre, attends. T'es sûr que c'est par là? Parce que j'ai un doute là. Oui. Voilà. Et donc maintenant, putain, 60 mètres là-bas, quoi. Foutez-moi. Est-ce qu'on peut passer d'un bâtiment à l'autre ou pas? Non. Non, là on est baisé. Là on est baisé. Il faut descendre. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais descendre, voilà, hop, et je passe par là. Putain, tu perds de la vie, quoi. Ah. j'ai essayé de niquer le jeu, mais non, c'est pas passé. Non, ça passe pas. Nos persos, ils savent pas sauter, je te dis. Ouais, puis ils savent pas s'accrocher aussi. Ils savent rien faire, c'est des quéquettes. C'est des survivants ici? Ouais. Ouais. Comme quoi, des fois, plus tu passes à côté et que c'est simple, moins tu vois. Mais j'avoue que la luminosité de ce jeu est quand même un petit peu bizarre. Parce qu'il y a des fois. Elle est carrément à chier, tu veux dire? Ouais, voilà. Attends, je suis pas sûr qu'il faille rentrer là-dedans. Non. Il est là, le haut-parleur, il est là. Enfin, il y en a un, donc le commentateur, il doit pas être très loin. Mais quel beat. Alors là, on est dans le genre beat, on fait pas mieux. Attends, parce que je crois que attends. Il est au sol? Je crois. Ouais, je crois, attends. Je vais essayer de voir. Parce qu'il y a des caisses qui gênent là. Je vais les retirer. Je vais passer en dessous. Je vais bien voir. Et ouais, c'était ça, il était en bas. Donc j'avais raison. Eh bah go, parce qu'il y en a un autre en bas. Ah putain. Attends. J'ai sauté sur un drap. Tu vois le petit drap au-dessus là? Ouais. Et bah, je suis passé à travers parce que le jeu considère qu'il n'est pas de texture en fait. Ah bon bah. En fait, c'est juste une décoration. Tu sais, comme sur PS1, sur PlayStation 1, quand tu passes à travers, bah c'est pareil. Ouais, tu passes à travers les murs maintenant, bah là c'est à travers. Tu passes à travers les trucs en tissu maintenant. Oh, bah celui-là il est simple. Pourquoi il est où? Tu l'as vu? Il est juste là. Bah, je l'ai pas vu. Faut juste réussir à monter par contre. Visite guidée 41 sur 72. Putain, là, une bombe déo, ça serait génial là. Fais voir la carte. Dégage! Si on dégage! Par là, il y a moyen. Il y a un établi là-dedans. Parfait, je peux réparer. Je répare tout parce que voilà. Et pourquoi il y avait autant de trucs de cassés? J'ai pas utilisé autant de trucs. Bizarre. Alors, ici il y a que dalle. Can't hurt to look. Ok. Fais voir la carte. Il y a encore tout un quartier à découvrir là. De ce côté-là, je crois qu'on a tout découvert. Après, il y a encore des petites zones noires ici et là, mais ça, j'ai envie de dire, on s'en bat un peu les couilles. Après, il y a peut-être la zone du parc. Voilà. Viens vers moi avant de retourner voir Gareth. T'as des zones de visite guidée là. T'as juste à aller tout droit. Bah alors 42 déjà.
Voilà. Toi, t'en as une de plus que moi, je sais pas où tu l'as chopée, mais. Bah, je sais pas non plus. Là, j'ai C'est quand tu. 43. Tu sais, c'est quand il y a une 43, là je viens d'avoir 43, je me rapproche de toi. Et je me suis fait baiser parce que c'était pas par là. C'est la fois où quand je suis mort là, je me suis retrouvé sur l'autre côté Oula! d'un grillage là. Des humains! Tiens mon Bread Queen! Des humains? Oh putain, Ouais. laissez-les moi, j'ai quasiment le trophée. Bah, le J'arrive! problème, c'est qu'ils m'emmerdent! Putain! Les zombies enflammés qui m'ont couru dessus! Oh non 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 putain mais je suis en train de. J'arrive quoi, putain, je suis juste là. Mais c'est pas Putain de possible, zombies je enflammés peux. de merde! Oh merde, ça passe pas là. Niquez vos mères, les zombies, niquez vos mères! Poussez-vous! Il y a des zombies enflammés qui tombent du toit! Comment ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est parce que l'immeuble il est en feu! Ça change pas que. Bah, ça change qu'il y a des zombies, quoi. Moi, je fouille les valises en attendant. Bon, je viens de monter de niveau parce que j'ai niqué un humain, mais en Il dehors de faudrait que tu ça. m'envoies un screen de ta. Après, quand on aura fini de tourner la vidéo, de ta. Putain! De ta carte De pour que map. je voie la zone que t'as et que moi j'ai pas. Parce que c'est Bah quand ouais, même parce chelou. Là, bon, que. déjà, tout le sud, c'est bon. À mon avis, ce que t'as, toi, c'est le parc au milieu. Est-ce que sur ta carte, le parc, il est tout blanc, toi? Un parc au milieu, ben moi perso, j'ai plus vraiment de au milieu, j'ai pas de zone. T'as pas de zone noire? Au milieu, moi j'ai pas de zone noire, enfin pas une Ouais, bah à grosse mon zone avis, c'est noire cette zone-là qui. qui me manque. Bah attends, vas-y, viens, suis-moi, on va y aller vite fait, comme ça après on va à la quête principale. Bah putain, mais nique ta mère, toi! Il se retourne en mode 360, puis il m'a mis un coup de latte, l'enculé. Quel bâtard! Je crois qu'il est à mon cul en plus. Comment je fais pour entrer dans le parc? Attends, on est déjà été ici, c'est bizarre. Toi, suce ma bite. Trophée Tu me suis? déverrouillé, humanisme. Bon. Ah non, toi, J'étais t'étais un peu encore. bloqué, mais là c'est bon, j'ai humanisme. Ça c'est fait. Voilà, Moi, j'essaye d'aller dans trophée. le parc pour voir si je peux rejoindre, si je peux gratter une zone. Wouah! Alors toi, dégage. Dégage, j'ai dit. Alors, t'as 58 mètres. Couché! Alors, je suis arrivé dans la zone où j'ai. Bah, alors, c'est pas ici, parce que maintenant j'ai plus de noir ici. Alors, où est-ce que ça peut être, putain? Il y a une zone noire que toi t'as pu, à mon avis, et que moi j'ai toujours. Ça, c'est les bordures de la ville. On se fait attaquer, je sais pas si t'es au courant. Eh bah non, bah tu peux me réanimer. Maintenant. Mais vous allez me lâcher! Merci. Putain, mais. Bah je me suis fait niquer à mon tour. Pourquoi je peux pas te réanimer? Parce que je suis mort 2800 perdu. Et pourquoi ils ont pas fait comme Dying Light sur ce jeu-là, mettre un timer quand tu meurs? Bon, puis ils cassent les couilles, les zombies, putain! Putain, nique ta mère, quoi, putain! C'est pas possible d'être aussi casse-couille! Putain, tu t'essayes de repérer une zone où pour récupérer un trophée, enfin un trophée, pour avancer dans le trophée, puis t'as tous les zombies qui viennent t'emmerder, quoi, mais allez vous faire foutre! C'est ça. Par contre, ce qui est bien dans la ville, c'est qu'ils te proposent de la voiture, mais que ça sert à rien parce qu'au final, t'es souvent bloqué. Ah ouais, mais en fait, moi, il m'a rapproché de. Ah, je suis à 44 sur 72. Toi aussi?
À mon avis, c'est la station service que t'avais et que j'avais pas. Ah ouais, bah là où t'es, moi, c'est entièrement blanc, moi. Enfin, c'est visé, c'est visible. Bah j'espère, parce que sinon, ça veut dire que c'est pas ça. Ok, deux petites canettes, c'est parfait. What do we have here? C'est quoi ça? C'est de la merde. Ça, c'est des sous. Ça, c'est une carte d'identité. Ça, c'est des sous. Ça, c'est de l'alcool. Une carte d'identité? Ouais. Pousse-toi, pousse-toi! Il faut fermer la porte! Pauvre caquette! T'as pas eu une nouvelle zone en mode 44, 45, machin là? Non. Bon bah ça veut dire non, que c'est, non, cette là, zone c'est cette zone là que tu avais et que je n'avais pas. Ouais. Ok, on est revenu. Bon bah maintenant il faut retourner voir Gareth Edouard. Allez hop. Ouais, Baguette. Je sais même pas s'il s'appelle comme ça. Gareth Edouard, ouais, en plus je crois que c'est un réalisateur, je crois que c'est le réalisateur de Rogue One. Allez, tête de bite! Eh. Cours! Cours plus vite! Bon, par contre, s'il arrêtait d'avoir à chaque fois le coup de. Comment ça s'appelle? Il y a une échelle derrière. Ouais, ou alors. Voilà. Putain, mais c'est chiant en fait qu'il y a souvent la tempête avec la pluie en fait, parce qu'on ne voit rien. Bah ouais. En même temps, je crois qu'on est dans un pays de merde. Et comment il peut y avoir autant de tempêtes en ville et rien sur la plage? Bizarre. Ça sert à rien, ça devrait être l'inverse. À mon avis, ils ont un microclimat sur la plage, c'est Colmar. C'est Colmar. Ouais. Mais nique ta mère, toi, t'étais loin. Va sucer une bite. Après. Vas-y, viens là, toi. C'est Bolbec. Ah putain. Ouais. Il y a des consanguins partout. Oh putain de merde. Mais niquez vos grands-mères. Okay. Comment il peut y avoir autant de zombies dans une petite ville? Wow, pistolet alerte. Oh, il pistolet est bon. De calibre, moi j'ai eu. C'est quoi ça? Gain d'endurance. Troisième quand... tête. T'as activé le trop haut-parleur de Canal Street. Non. Alors attends, facteur de menace. Ah ouais, d'accord, ça peut être bien, mais pour l'instant, ça me sert pas à grand-chose. Régénération d'endurance, durabilité des armes modifiées. Ouais, pas de pénalité les ennemis supérieurs niveau 1, 2, 3. D'accord. XP, c'est bien ça. Lorsque vous enchaînez les victimes, il faut faire de l'XP. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Y a pas un atelier ici, parce que j'ai besoin de réparer, moi. Bah, moi, c'est un peu... Troisième tête de Cerbère, ok. Ah oh, putain, 240 mètres. Et il va y encore y avoir au moins deux ou trois haut-parleurs à la con. Il y en a trois. Bah oui, je me doute. Cours Putain, mais dans cette vidéo, on passe notre temps à courir avec les quêtes secondaires de merde. Mais c'est ça, et le pire, c'est que... Oh, on est désolé, les gens, hein. Mais ils arrêtent pas avec les quêtes à la con comme ça. Les quêtes, elles s'enchaînent et elles n'apportent rien à l'histoire. Et on n'en voit pas le bout. Tout ce que je vois, c'est des zombies à l'infini. Il y a un vendeur là. Mais non, mais c'est un établi qu'il me faut. Moi, j'en ai rien à foutre du vendeur. Ah, bah il y a l'entrepôt ici. Peut-être que je peux réparer là-dedans. Putain, puis en plus j'ai archi chaud. J'essaye d'avancer et tout, mais je suis une putain de victime, c'est incroyable. Non mais ça... Alors, réparer. Ah voilà. Non mais là ça rend fou, là j'avoue que ça rend fou. Pistolet de calibre, oh il y a 1000... Ah il est déjà considéré comme amélioré en fait. Pas mal. Bah écoute, moi je vais vendre le pistolet énorme, vu que j'ai le pistolet de calibre. Voilà. Le grand fendoir, bah je vais le garder parce que pour l'instant je sais pas quoi en foutre. Y'a pas une petite canette de coca qui traîne là? Non? Bah allez vous faire foutre. Ok. Oh mais comment elle a fait pour rater l'escalier? Mais quelle bigleuse! T'as le gameplay de Dead Island, il est horrible. C'est un gameplay chewing-gum, pour ceux qui se souviennent, c'est une catastrophe.
Dying Light me manque. Dying Light. Au moins Dying Light c'était un vrai FPS en mode c'est fluide quoi. Là c'est en mode chewing-gum et ça me gonfle. Oh putain, puis il y a encore plein de zombards ici. Oh là 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 là. Allez vous faire foutre. Il y a énormément de zombies dans cette zone. Il y a un zombie cool. Qui est arrivé en courant avec une machette, il m'a lapidé la gueule. Et je réparais derrière la muraille en plus, va te faire enculer. Comme ça, je suis pas tout seul à me faire enculer. Ça, c'est... Putain, j'en fais tomber la manette tellement ça me gonfle. Waouh. Moi j'ai failli crever là. En plus, ça fait des. Mais vous allez vous calmer. Waouh. Mais il suicide de slip, je vais crever. Sans déconner. Là, c'est la victimade. Hein. Victimation. Ah ouais, non, mais là, nique attends, ta mère, attends, putain attends. Oh, mais ils veulent pas crever en plus. Non, toi, l'assassin, tu vas te faire foutre. Alors là... Il est où, ce connard de zombie? Mais vous allez vous calmer et... Wouah, ouais, ils sont 20 000 zombies. Ouais, ils arrivent vers toi. Ils m'ont lâché, ils viennent vers toi. Attention. Ouais, je suis monté. Ouais, mais attends, c'est pas parce que t'es en haut que t'es safe. Bah là, parce qu'ils savent monter, ces connards. Attention, ça arrive derrière. Pousse-toi. Retourne-toi. Fais demi-tour. Attends. Vas-y, tire. Bah oui, mais tu crois que je fais quoi là? Open fire. Open fire. Vas-y, avance. Attends, il remonte. Bah c'est pour ça, avance que je puisse avoir de la place. Vas-y, viens. Attends. J'en liquide quelques-uns quand même parce que j'en ai marre de... De te faire victimiser? Pourquoi on peut pas passer par là? Parce que apparemment ils veulent nous faire descendre, je sais pas. Oui mais non, j'ai pas envie de descendre. Oh putain, il est juste là le truc. C'est quoi ça? C'est un hôpital? Apparemment c'est un hôpital. Putain, il est juste là, il faut trouver le moyen. Attends, parce qu'ici on est trop bas, faut contourner, peut-être qu'on peut monter de l'autre côté. Ah, il faut monter? Ok. Bah... Pourquoi on peut pas aller par là? Il y a un mur invisible ou quoi? Ouais, à cause du... Là. Là. Voilà. Ah non! T'es tombé? Ouais, mais ça va, je me suis rattrapé. Il y a des gens qui parlent. Des voyous. Pour changer. Ouah, ça open fire sur ma gueule! Niquez vos mères! Putain, je viens de tuer 3 humains là. Putain, je me suis rapproché du truc. C'est bon, j'ai activé le truc, on trace. Mais attends, parce qu'à 40 mètres, il y a l'autre. Bah oui, c'est pour ça, on trace. Attends, j'essaie de trouver le meilleur chemin pour passer. Putain, comment je me suis... Y'a un zombie ? Je me suis rattrapé. Mais non, mais pourquoi j'ai ramassé le flingue ? Pistolet vitesse moyenne, j'en ai rien à foutre. Tu peux être même vitesse suprême, je m'en balais. Ça a tiré ? Vitesse suprême. Alors attends, par où faut-il passer? Peut-être par là. On peut pas monter là, putain. Attends. Oh, je suis sûr que si. Mais non, mais au poil de bite. Moi je suis passé, alors attends. On est en train de faire des trucs, ça se trouve c'est même pas par là, mais on se démarre comme on peut, on passe quand même. Ah putain, merde. Ah là, ça aurait été bon, attends. Ah si. Putain, mais comment t'es passé là? Moi j'arrive pas à passer par la... Ah merde, je suis coincé dans la texture. Il faut que tu te baisses, que tu longes la paroi pour passer en dessous. Ouais, après, mais ça veut pas, regarde. Regarde, tu vois? Ou alors C'est bizarre parce que moi je suis passé, hein. C'est bon, ça passe.
Ah bah voilà. Ah mais... Attends. Ça sent la trappe couillon ici, hein. Ouh. Putain, les escaladeurs du dimanche, c'est quoi. C'est le saut de la foi, mon gars, c'est le saut de la foi. C'est bon, je suis arrivé. Putain, Pigarette, il est à l'autre bout de la planète. Braguette. Bon, ok, on est monté. Mais après, pour redescendre, c'est autre chose. Parce que quand tu vois la taille... Enfin, je m'en fous, moi je suis descendu, j'ai trouvé un chemin. Ouais, moi c'est pareil, là je viens de trouver quelque chose. Et t'as des zombies au cucu. Bonjour. Waouh, au poil de cul. Cours, Pot Queen. Cours. Non, là c'est monte. Oh. Ok, c'est bon. Putain, j'ai plus beaucoup de trousses de soins avec ces connards, ils m'utilisent toutes mes trousses. Bon bah... T'es encore mort? Ouais. Oh là là. En atterrissant par l'échelle à préconiser. Moi je cours comme un dératé, je m'arrête pas. Il s'est fait enculer. Elle court quand même vite pour une meuf avec des talons, hein. C'est impressionnant. Bah, d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant, alors que moi je suis en bottine et je cours moins vite. Ouais, mais toi tu sais pas courir. Déjà, quand on s'est pas aligné une jambe devant l'autre, c'est pas évident. Ah bah, c'est pas la faute. C'est pas mon ressort, hein, c'est la faute de mon perso. Attends, parce que moi j'ai un berserk au cul. Démerde-toi. Bah oui, j'ai bien vu qu'il fallait que je me démerde. Bah, ça va, je suis pas très loin en plus. Et hop, un bras et une tête. Je te l'ai fait à la Obi-Wan, moi, celle-là. Oh bah, je t'ai rattrapé, tiens. Ah, j'ai pris le chemin touristique et en même temps, il fallait que je me batte. Oh. Mais... Allez, bonjour. Bon, Gareth, maintenant, j'espère que tu vas te faire enculer. Comment voilà. Ça nous emmerder. Oh, module crocodile. Qu'est-ce qu'il fait? Progression trophée. Et moi je l'ai ramassé ou pas le module crocodile? J'ai un doute. J'ai comme un gros doute. Attends. Inventaire. Comment tu fais pour voir si t'as les objets collectés? Le mode, c'est un mode? Ouais, c'est mode crocodile. Ouais, c'est bon, je l'ai. C'est un truc violet en plus. Bon, Gareth, il va se faire enculer maintenant. Ouais, alors il faut attends, qu'on aille. Attends, une seconde. Ouais, il faut qu'on aille à l'autre bout de la ville. Je peux pas dézoomer plus. Putain, c'est abusé. Voilà. Hop. Alors. Ok. C'est quoi le problème là? Ah, pour aller faire la quête principale? Non, c'est pas la quête principale, c'est encore une quête secondaire. Putain. Des quêtes secondaires, il en reste encore deux. Avec celle-là, il en reste une après celle-là. Ouais, parce qu'après le reste, c'est dans des zones qu'on n'a pas encore. Voilà. Putain, il y a des zombies partout! Il y en a vraiment partout! J'ai des zombies au cul! Cours, putain, cours! Si t'as une ampoule au pied, tu t'attendras demain pour la soigner, putain! Oh putain, il m'a rentré dedans, j'ai l'impression de m'avoir bouffé un bus! Alors qu'en fait, c'est juste un putain de coureur. Vas-y, viens! Je sais que t'as envie de venir, viens, enculé! Voilà, une tête dans ta gueule et casse-toi. Arrête de me faire chier. Putain, les zombies, qu'est-ce qu'ils me font chier dans cet épisode? Ils me font chier. Et toi, je sais pas où t'es parti, mais pas du bon coup. Ah bah, t'es mort. Voilà. Oh putain, je perds toute ma thune en plus avec ces conneries, c'est horrible. Moi, je suis content d'avoir le bonus moins 45%, ça veut dire que sur toute la thune que je perds, il y a 45% que je sauve. Non, mais en plus, le truc me remet dans la merde! Allez, viens! Mais nique ta mère, ta putain madré, enculé, fils de pute! Mais ouais, tu vas crever, putain de virulent de merde! Putain, les virulents, ils sont encore plus résistants que les zombies normaux, quoi! Mais allez vous faire foutre! Le principe d'un zombie qui court, c'est un zombie qui est pas résistant normalement!
J'ai plus d'endurance. Eh mais elle me suit la grognasse. Cette ville, c'est du plaisir. J'espère que quand on sera dans une autre zone du jeu, après on sera moins emmerdé, hein. Parce que putain, la ville, ça commence à me gonfler. Bah écoute, moi, elle me gonfle littéralement. J'ai chaud en plus, ça m'énerve. Au moins 300, parce que du coup, au moins 300 genre... mètres. Mais lâche-moi. Mais vous allez me lâcher. Putain, mais je vais crever. Putain. Non mais là c'est du fou... là c'est du foutage de gueule là, sérieux quoi, putain. Je n'arrive pas à me rapprocher. Et dès que je me rapproche, après comme par hasard il y a le coup de genre je crève et je me fais éloigner à nouveau. Donc au final bah ça sert à rien. Moi je bouffe. Putain, mais des snacks, il y en a ici. Hein. Autant ils ont pas l'eau courante et tout. Par contre, les coca et les snacks, ils ont que ça. Hein. Ils se nourrissent que de ça. Tu m'étonnes qu'ils sont tous diabétiques là-dedans. Putain. Moi, si je pouvais, okay. Si je pouvais arriver, je serais bien content, tu vois. Qu'est-ce que je dois récupérer en fait là? Je suis même pas l'itinéraire préconisé parce que ça me casse les couilles. Apporter les outils à Bruno? Ouais, je viens de les récupérer. C'était une nouvelle zone? Non. Non, c'était la zone où on était, c'était la zone du barrage, là, l'espèce de barrage hydraulique de merde, là. Enfin, plutôt une centrale électrique... Ah, je sais pas trop, en fait, je m'en bats les couilles. Non, je dirais plutôt, c'est la station à eau, hein. C'est l'espèce de... Ouais, c'est ça, c'est la station à eau. Bah putain, je suis à 400 mètres, maintenant. Culé. Toi, tu dois être plus près. Moi, je suis à 200... Je suis à 261, bon, en même temps, j'arrive pas à avancer. Bah ouais, mais en même temps, toi, t'étais déjà 200 mètres vers 300 mètres à la traîne, alors... Bah ouais, mais c'est surtout que j'arrivais même pas à avancer en fait. Active pas le... lui rend pas les outils avant que j'arrive, parce que sinon j'aurais pu les pointiller, puis pour rejoindre, après je suis dans la merde. Ouais, surtout qu'on est vraiment dans une zone complètement baisée, donc je te rassure. Avec des zombies qui essayent de me baiser partout. C'est un peu ça. T'es avec Dying Light, ça t'es tellement mieux, j'aurais volé de toi en toi. Ouais, ouais. Dying Light. Fuck the light. Bon. Bah apparemment c'est pas par là. The Thailand, fuck la land. Ah ça pique, ça brûle. Me dis pas que j'ai pas pris le bon chemin, enculé. Allez vous faire foutre. Allez tous vous faire foutre. Les zombies brûlés, ils vont se faire foutre. Putain c'est la merde, cette ville elle pue la merde. Au sens propre comme au sens figuré. Et j'ai l'impression qu'il nous ramène vers l'église. Ouais. Et bah c'est juste à côté de l'église en fait. Je suis à 100 mètres. Bah, c'est dans l'église. Enfin 130. Ouais bah je te vois. Enfin t'es à 100 mètres de moi et... Bon. Cours. Cours Brad Queen, cours. Heureusement que c'est pas Wesker qui devait faire la quête tout seul parce qu'il aurait, pas, il aurait toujours pas trouvé les outils. Je pense que je les aurais trouvés, mais enfin, c'est surtout. Ouais, non, au bout d'une heure, ouais. Parce que je serais en bord. On dirait Trevor, il a la même gueule. Attends, j'ai un truc à rendre là. Merci pour les sous, enculé. Vas-y, c'est bon, tu peux rendre. Ouais. Donne les merci. Sous. Oh, oh putain, il redonne une quête. Non. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut trois clous. Nouvelle quête, trois clous. Bah tiens, tu vas les, je vais te les donner tes trois clous, enculé. Ah non, c'est une quête infinie. Oh. Ils font chier ces connards, ils font chier. Du coup, ah ouais, exactement. C'est devenu une quête infinie. Bon bah il reste plus que la quête. Rendez-vous au commissariat et repérez le bureau du détective pour une question de justice. Eh merde. Un bon coup de balai, je sais pas c'est quelle quête, je sais pas d'où c'est, je sais pas. Bon, il faut aller au commissariat. Malheureusement. Malheureusement. Oh putain, ça rend fou, ça rend surtout fou. Que le commissariat, tu te rappelles comment on y va? Via les égouts. Ouais, ben...
Allez, on trace. Non. C'est la quête principale, tu touches pas la quête principale. J'ai limite envie de la faire tellement que ça me casse les couilles. Ouais, bah si tu... Je te vire de la session si tu fais le con. Gros con. Je te laisse crever si tu fais le con. Je m'en bats les couilles si tu crèveras avant. Oh, vite. Putain, attends, moi, je monte sur l'ambulance 2 secondes pour reprendre l'endurance. J'avance au maximum parce que vu que tu me mets déjà une pilule. Ah bah non, on peut rentrer direct par là. Bon bah c'est parfait. On a pas besoin de se taper les égouts. Ouais, ça, c'est très arrangeant. C'est très jouissif. C'est bien, il est presque 17h, encore un petit quart d'heure. Comme ça, après, moi, je fais ce que j'ai à faire et puis c'est parfait. Ouh ! Ouh ! Il y a un blanc de zombie ! Courons, on peut pas rentrer par là ? Si. Mais laisse-moi ! Mais laisse-moi, tu vois pas que je veux passer, mais dégage, tête de bite ! Ferme pas la porte, j'ai besoin de rentrer. Pousse-toi, toi, poussez-vous ! Mais moi aussi, ferme la porte ! Voilà. Il y a de quoi se soigner là. Bon les gens, voici le commissariat que vous n'avez pas pu voir dans l'épisode 6 parce que El Gato avait bugué. Vous voyez, c'est propre le commissariat, c'est bien entretenu, c'est beau. Oh putain! Et l'autre le zombie il me fait rien, il me touche pas, il me regarde quoi. Et boum, les deux têtes. Dans la tête, kékette. Putain, mais quel connard. Bon, alors... Et voilà, coucher le zombie. Oh, une petite canette, c'est pas de refus. Peut-être même deux. C'est étonnant, il y a encore de la canette dans les distributeurs. Oh, il y a plein de zombies, ils viennent sur toi. Ah oui. Bon. Et toi, le retardataire, tu vas attendre ton tour. Et voilà. Et qu'est-ce ça qu'il y a, les zombies rien, que... Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut trouver le bureau du détective. Il faut trouver le bureau de la mèche. La mèche? Ok, pas de problème. Alors attends, le bureau de la mèche, c'est par là. Bon, par contre, c'est bien de tuer les zombies aussi. Ouais, mais il me casse les couilles, là, je... En fait, avant il y avait des humains, maintenant il y a que des zombies. Voilà. Et il y avait beaucoup, d'humains aussi. Bah, la dernière fois en fait il y avait que des humains, mais là il y a que des zombies. Waouh, eh, mais ils sont excités du slip, putain, mais c'est incroyable ça. Laisse faire Pred Queen. Pred Queen, il a l'habitude de gérer ce genre de cas. Bon, le bureau de la mèche, on y arrive ou ça se passe? Bah, je crois que ça va être là. Fouillez la pièce, il faut que vous trouviez le dossier. MDR. Et c'est pas inscrit, donc il faut chercher partout. C'est génial, plaisir. Avec tous les zombies. À mon avis, c'est dans un bureau, le bureau en vert. Ouais, ça doit être le truc le plus. Ouais, avec le zombie bien au fond qui vient te faire chier, il y a tellement de logique. Et voilà, glace moule de zombies sur la moquette. Bon, pousse-toi, il faut le niquer celui-là. En plus, il est chiant parce qu'il a un blindage. Là, il a un bras en moins maintenant. Voilà, hop, dans la tête, fils de pute. Bon. Le dossier doit pas être loin. Regarde, ouais, il est sur l'ordinateur. Ouais, il est là, télécharger les données, c'est ce que j'ai envie de faire. Vas-y, télécharge et puis on se casse. Kékette. T'as réussi ou quoi? Putain, mais t'es nul à chier ou quoi? Maintien carré. Non, il faut le faire en plusieurs fois. Oh putain.
Putain, il faut faire... Trois fois, il faut faire. Mais c'est un truc de fou. C'est bon? Y a pas une petite canette qui traîne là? Ah, moi je viens de trouver un dossier. Moi je viens de trouver un dossier sur un bureau, je crois que c'était ça qu'il fallait. Bah ouais, c'était pas les données finalement. Et moi qui suis en train de faire télécharger les données depuis tout à l'heure. Y'a une carte d'identité ici. Ah. Merci. Ok. Attends, parce qu'il faut trouver une petite canette de coca là, j'aimerais bien. Il y en a partout sur le chemin du route. Bah là, il y en a par terre. Là, c'est bon, j'en ai bu une, c'est bon, ça suffit. T'es sûr que c'est par là, il n'y avait pas plus rapide? Bah non, c'est par là qu'il nous dit d'y aller, donc... Putain, mais il nous fait prendre la zone touristique. Écoute, j'en sais rien. En fait, il va nous refaire passer par le garage. Il y a de fortes chances, oui, hélas. Ah, l'enculé. Et oui. Ça pue la merde. Oh putain, des canettes de coca, là, il y en a plein ici. Mmh. Je vois le garage, tu la sens, la coucougnette. Attends, il faudrait que... Oh, il t'a mis un coup de pied dans le cul. Je l'ai vu, il t'a mis un coup de pied au derche. Grouille! Putain, le petit coup de pied qu'il t'a mis pile dans le cul, c'était beau. Ouais, tu sais qu'il m'a fait perdre la moitié de ma vie avec ça? Plus que ça, parce que t'avais quasi toute ta vie, puis il te restait plus qu'un poil de cul, donc à mon avis, c'est même les trois quarts qui t'a viré. Non, parce que j'avais pris aussi un autre coup d'un zombie entre deux, mais... Bon allez, on trace. On retourne à l'église. Ça fait combien de temps que ça tourne déjà là? Là ça fait 50 minutes. Le temps de rendre la quête. Le temps de rendre la quête, peut-être lancer la quête principale s'il y a juste à quitter la ville, on va voir. Ah bah si c'est ça, on s'arrête juste derrière. Comme ça, acte 3, prochain épisode. Ce sera un tout petit peu plus court que les autres cet épisode, mais moi je dis que comme ça permet... Bah pas plus court que l'épisode 6 chez moi qui a bugué hein. Tchoum tchoum. Tchoum tchoum. Wouam. Ta 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 ta. Bah j'espère qu'il en redonne pas une, oui, t'as raison. Alors il est là, où ce con bon. Il est là. Il est là. Merci. Oh il en redonne une. Non. Ok. Oulala. C'est une quête 4 étoiles. Trouver l'arme dans la maison du voisin. Du voisin de Tim. Bon ça a pas l'air très... Attends, répare tes armes, répare. Ah ouais c'est vrai. J'en oublie. Parce que là, ça pue le caca quand même. Ah bah c'est bon, au niveau de la réparation, je suis tranquille, c'est pas un problème. Parce que vu que j'utilise le flingue en priorité... Bon bah je crois que ce sera la dernière quête, ce sera la quête secondaire. Hélas. Parce que là, le problème après avec la quête principale qui est juste là, je sais pas qu'est-ce qu'elle va nous demander, je sais pas combien de temps ça va prendre, donc dans le doute... Allez tête de bite. Bah, mais qu'est-ce oui. qu'il fout putain, mais qu'est-ce qu'il fout. Mais il est long, Vanque. Putain, il marche comme un cabri. Allez. Ça va, la maison du voisin, elle est pas loin. Combien? 500 mètres? Non, 40. Elle est juste là. Là où il y a plein de zombies. Grouille! Qui te court derrière, grouille! Il me dit grouille, je te rappelle que moi j'ai pas un personnage aussi endurant. Hein. Eh bah t'avais qu'à prendre un personnage plus endurant. Ouais mais bon dans ce cas là il aurait fallu que je prenne peut-être Sambi. Sambi? Comme ça t'aurais fait mouchoucho bitch. Exactement, c'est ça qui est bon. Alors. Wow. Maybe there's something inside.
Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi? C'est les spores du quadriceps dans... Ah, par contre, il y a un assassin. The Last of Us. Ouais, t'as raison. Il y a un zombie qui pue là, droit devant. Ah, oh, puis c'est un assassin qui pue. T'as pas envie de lui lancer un cocktail vu qu'il pue, il va flamber vite? J'ai pas de cocktail. Oh, donc je lui tire dessus, de toute façon il crève aussi vite. Allez hop, c'est réglé. Puis moi il faut que je fasse des kills. Non. Hop, bah. T'as trouvé? Ah. Bah apparemment oui. Sans le vouloir. Putain. Hop, les sous, et on y va. Toujours récupérer les sous. Toujours. Les sous, c'est la vie, il faut pas les laisser. J'avoue que j'ai hâte de monter encore les niveaux et d'obtenir des pistolets ou même des fusils d'assaut. Ouh. Qui sont plus puissants et beaucoup mieux. Ah non, à gauche, vraiment pas mal. Par là. Tirons-nous. Il faut courir vers l'église. Ouais, avec des excités au cul. Oui, toujours des excités au cul. Allez. Alors, enculé. Enculé. Ah non, merde. Il a réussi à passer la deuxième fois. Et encore, j'ai cru que t'avais réussi à passer la première fois. Il donne quoi? Oh, mode un mode court-circuit. Oh, ouais. Un mode violet en plus. T'as vu, ça valait le coup de l'affaire. Ça valait le coup. Bah ouais. De toute façon, c'est ce qu'il faut hein, pour tout débloquer. Alors attends, quête secondaire, qu'est-ce qu'il nous reste? Le Nighthawk. C'est lorsque vous sortez dans la jungle, vous trouvez l'avion. Par contre, coup de balai, je sais pas c'est quoi. Nick. C'est qui Nick? C'est où Nick? J'en sais rien. Attends, regarde. La quête bon coup de balai, ça nous affiche un truc à 400 mètres. Ah ouais, mais là, c'est trop loin. Attends, je regarde sur la carte quand même où c'est. Ah, c'est tout au sud. Aller dans la maison abandonnée. Y a pas un moyen? Attends, on peut pas se téléporter plus près, genre? Bah, y a l'entrepôt, mais l'entrepôt n'est pas si... Bah écoute, si... allons voir à l'entrepôt, déjà voir où est-ce qu'on est par rapport à la quête. Parce que si y a 200 mètres, franchement, ça se tente. Comme ça, après, la prochaine fois, on est définitivement débarrassé des quêtes secondaires. C'est vrai, et on vous fait pas patienter encore plus. Désolé les gens, c'est 4 secondaires forever là. De toute façon, les gens, ça leur fait rien, ils nous voient y souffrir, donc ils sont contents. Oui, c'est vrai. En même temps, souffrir, c'est... En même temps, s'ils regardent nos vidéos, ils vont nous voir souffrir. Parce que nous, on a des abonnés sadiques, faut dire ce qui est. C'est... Des abonnés sadiques. Il y en a qui cherchent à avoir des abonnés bisounours et il y en a qui sont des abonnés sadiques. Alors, apparemment c'est là. Bon bah, ouais, c'est cette maison là quoi. Ouais, mais je crois que l'entrée c'est via le toit. Il faut rentrer via le toit. Comme par hasard, je peux pas passer par là. Non, échec. C'est peut-être pas par là. Par là. Tiens, le zombie. Alors, peut-être que c'est... Non. Non, c'est pas par là. Alors, si c'est pas par là... Par derrière. Moi, je crois que c'est par derrière. Ouais, c'est ça. Et t'étais du bon côté, faut que je fasse le tour. Bah, fais le tour. Ou alors, attends, quand je vais activer la porte, tu vas pouvoir téléporter. Peut-être. Attention, on va le savoir tout de suite. Hop. Voilà. Ça aide, ce coup de téléportation, là. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Ça... C'est très... Bon, heureusement, parce que... C'est utile. Par contre, s'il y a encore plein de quêtes à récupérer ici, je deviens fou. Ah... Beaucoup de balais. Alors attends. Eh ben il faut tuer un zombie. Oh putain, ça... Oh, c'est une zone safe, regarde, il y a une carte et tout. Ouais. Un bras tranché.
Voilà. Moi, pas de chocolat, mon salaud. Attends, il faut récupérer un truc, mais attends deux secondes. Mais attends, putain! In the military, they taught us how to kill. Putain, c'est pas possible! Non, on peut tout récupérer. Non! Il y a de nouveau des quêtes secondaires! Mais non! Bien fait pour ta gueule! T'avais qu'à attendre! Oh putain, eh ben, les prochaines quêtes secondaires. Eh ben, on récupère tout et puis on fera ça la prochaine fois. C'est ça. Alors, secours rapide, il faut trouver des médicaments. J'en ai pas sur moi des médocs, genre. Retourne au commissariat, mais c'est une blague, vous vous foutez de moi, quoi, vous auriez pas pu le demander avant. C'est clair. Il y a une base militaire postée, mais depuis cette jeu. Il veut un uniforme? Non, il veut un. Lorsque vous serez arrivé dans la jungle. Ah! Ça c'est bien. Bon, bah, dans la jungle, ouais, ça veut dire qu'on s'en branle. C'est pour plus tard. Alors ça c'est dans la jungle, ça c'est dans la jungle, ça c'est pour tout de suite et ça c'est pour tout de suite. En fait, il faut retourner au commissariat et en même temps, il faut trouver des médocs. Bon. Voilà, j'ai l'impression que le jeu m'encule. Exactement, bah, c'est ce qui nous fait tout le temps de toute façon. Bon, bah du coup les gens, on va s'arrêter ici parce que ça fait un moment qu'on tourne, là, ça fait un peu plus d'une heure. Ouais, plus ou moins une heure avec le montage. Et encore, il n'y a pas vraiment de montage en fait. Donc du coup, une vidéo d'une heure. Donc un peu plus long que la dernière fois. Cette fois, ça n'a pas bugué les gens. Donc du coup, déjà, c'est un bon en avant. Un très grand bon en avant. Du coup, ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire. À part qu'il y a des quêtes... Ta gueule, je parle. À part qu'il y a des quêtes secondaires qui sont, encore à faire, malheureusement, qui sont toujours pas finies. Du coup, on les fera la prochaine fois avant d'aller dans la jungle. Et puis, comme ça, on se débarrasse de tout ce qui est relique, tout ce qui nous relie à la ville. Sachant que au niveau de la carte et tout, moi maintenant tout est blanc, donc j'ai plus rien à foutre ici. Du coup, eh bien, ça se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à bombarder la barre des pouces bleus et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous-même vous jouez à Dead Island. Alors là par contre vous pouvez spoiler parce qu'on s'en bat les couilles. Et puis moi je vous retrouve la prochaine fois lors d'une prochaine vidéo. Allez, tchuss tout le monde et portez-vous bien. Salut. Nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, nique vos mères, nique vos mères, nique vos mères, blah. Ta gueule toi. Un problème le zombie. Voilà, c'est pas yesh. Bon, tu viens ou quoi? Yeah.